Alors, me voici de retour pour faire le tour maintenant du mini-catalogue. Alors, vraiment, ça va être beaucoup moins long que tantôt avec le catalogue annuel dans lequel il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à revoir avec vous. Mais là, pour le mini-catalogue, là, sans plus tarder, en fait, je tourne ma caméra puis je vous montre où est-ce qu'on s'en va. Alors, je tourne. Puis là, je me suis rendu compte tantôt que mon son, quand je tourne la caméra, j'ai l'impression que vous m'entendez beaucoup moins bien. Fait que je vais essayer de m'avancer. Bon, peut-être, là, je ne sais même pas là, si je vais avoir des gens en direct parce que hein, deux dans une journée, c'est pas dans mes habitudes, ça, c'est bien certain. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous m'entendez bien, parce que tantôt, j'ai regardé, là, parce que là, évidemment, je vais envoyer les vidéos après en newsletter. Fait que est-ce que vous êtes capable de me dire si vous m'entendez bien? Parce que vraiment, je me disais tantôt, j'ai comme l'impression que le son, on dirait que je suis super loin de la caméra, de mon cellulaire, mais en réalité, je suis tout simplement directement en ligne, vis-à-vis, je veux dire. Fait que, je vais aller voir. Ah, OK. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'entend, qui peut me dire si, oui ou non, vous m'entendez bien? Fait qu'en tout cas, je pars, puis si jamais il y a vraiment quelque chose avec le son, là, peut-être juste venir me le dire, s'il vous plaît, là, comme quoi que oui, on dirait que vous m'entendez de très, très loin. Alors, on y va tout de suite. Alors, évidemment, ici, en fait, le papier design, dans le fond, dans la collection Petite Abeille Chérie, ce qui revient, en fait, c'est... non, il n'y a rien. Oui, OK, c'est ça, je me dis, voyons, bon, t'es divine. Oui, c'est ça. En fait, c'est que le lot va revenir, mais il va être séparé. Donc, évidemment, le jeu des tempes avec la perforatrice, ça va revenir, mais si vous voulez l'avoir en lot... Ah, alors, merci, Lynn. Lynn me dit bonjour, puis elle me dit que tout est OK. Bon, super, génial, je suis super contente de savoir ça. Alors, c'est ça, le jeu et la perforatrice vont revenir, mais séparés. Maintenant, dans la collection, en fait, tout va nous quitter. Puis, on a ici les boîtes oreillers carrées qui vont être à 20%, donc à 8,80 à partir du 9 avril. Ici, bon, alors le lot ici, Amour Soupli, qui était effectivement un lot que moi, j'aime beaucoup à cause des boîtes aux lettres. Alors, je suis contente parce que ça ne revient pas en lot, donc séparé encore une fois. Si vous voulez bénéficier du 10%, alors il faut les acheter maintenant, c'est-à-dire avant le début mai. Maintenant, ça en est, je vous le dis, là, il y a tellement de choses qui reviennent que ça en est vraiment surprenant, contrairement au catalogue annuel. Donc, encore une fois, ça aussi, dans le fond, le lot hexagone, le lot disparaît, mais par contre, on va être capable d'acheter, en fait, le jeu des tempes hexagone chaleureux et la perforatrice hexagone. Donc, évidemment, si on veut les avoir en lot, c'est maintenant. Ensuite de ça, ici, même chose. Donc, le lot surprise en fête va disparaître à 10%. Par contre, ça va être encore possible de les acheter, mais de façon séparée, soit le jeu de temps surprise en fête et les poinçons surprise en fête. Et ça, c'est un poinçon quand même spécial parce que je n'avais pas tout à fait, moi, compris comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est que c'est la façon que ça fait des découpes. C'est que ça permet, en fait, d'avoir comme des messages cachés, si vous voulez, parce qu'on les... On peut comme soulever les éléments qui sont là, donc poule pour tirer, soulever l'onglet pour en faire, dans le fond, un peu des messages cachés. C'est un peu l'objectif de ces découpes-là. Ensuite, dans la collection, toujours l'amour. Alors, on a plusieurs choses qui partent, évidemment, dont le papier design, ici, là, spécialité, toujours l'amour. Hein? Il y avait beaucoup d'éléments dorés à l'intérieur. Même chose ici pour les cartes et enveloppes, d'ailleurs, que je voudrais faire de quoi avec avant que ça nous quitte. Par contre, les gemmes métallisées pétales roses et pan-pan-pan reviennent, ainsi que, encore une fois, le ruban ici, pan-pan-pan, ça va revenir, ainsi que, encore une fois, le lot ne sera plus disponible. Le lot Amour pour la vie à 10% ne sera plus disponible, mais le jeu des temples Amour pour la vie ainsi que les poinçons, on va pouvoir encore les acheter séparément. Même chose ici, donc ce lot-là, il disparaît, mais on va retrouver dans le catalogue annuel, en fait, le jeu des temples Delicate Forest, bref, ça, et les poinçons, en fait, forêt délicate.
tout ça, ça revient. Alors, ça ici, c'est avec un retour séparé, donc le lot cœur adorable, c'est-à-dire qui comprend le jeu des temps plus le plioir hybride. Ça ici, ça va revenir de façon séparée. Ici, le numéro 4, donc plioir à gaufrage hybride, moment d'attention, donc ça revient aussi, ainsi que le rouleau. Alors, définitivement, là, tout ça, ça va revenir. Ça, Hills of Tuscany, je ne sais pas comment ils le disent en anglais, mais ça nous quitte, mais il n'y a pas de rabais. Alors, quand je vous parlais qu'il va y avoir là, des découpes, un peu d'étiquettes là, avec des fioritures, ça, c'en est une, entre autres. Alors, le lot Wild Ferns, ça nous quitte à 10%, mais encore une fois, on va être capable de se procurer en fait séparément. Je l'aime bien, moi, ce kit. Le cœur ne fait pas juste Valentin avec ses tulipes dedans. Lequel tu me parles, ma chère? Est-ce que tu me parles de celui-là? Celui-là, hein? L'eau surprise en fête, le cœur avec les tulipes? Oh, oui, oui, non, ça fait vraiment pas juste Saint-Valentin. Ça fait vraiment anniversaire. Ça fait tout événement, en fait, là, pour faire des cartes qui peuvent être vraiment le fun. Sinon, il y a celui-ci aussi là, qui faisait très cœur Saint-Valentin. Ça aussi, c'est un super bouquet. C'est peut-être lui que tu me parles aussi. Finalement, hein, des cœurs avec des tulipes, il n'y en a pas juste un. Bref, je continue. Méline, si tu veux me répondre, là, je regarde un peu là, les messages que vous me dites. Alors, la vente vivace, alors là, pour vrai, on se garde parce que c'est le retour pratiquement de tout. Pas pratiquement, je pense même de tout. Le papier design qui revient. Ça, c'est quand même, ça arrive pas si souvent. Les gemmes ici, dans les tons de... Non, le premier, donc c'est... OK. Bon. Alors, ici, les gemmes, achatoiement violette, ça revient. Le lot ici, timbre intemporel, il revient et il revient en lot. Donc, si vous ne l'avez pas encore procuré, là, celui avec les vœux, ça revient. Les papillons en papier reviennent aussi. Alors, le low painted lavender nous quitte à 10%, mais on va être encore capable, en fait, de commander le jeu des tempes ainsi que les poinçons lavande peint, donc de façon séparée. Et là, comme je vous disais ici, le low, on peut encore se le procurer. On va pouvoir encore, à partir du mois de mai, se le procurer en low à 10%. Ici, Easter Lilies, ben alors tout ça, ça nous quitte, autant le lot que les poinçons et le jeu des temples, ça part. Même chose ici pour Excellent Eggs, que j'ai utilisé la semaine passée, donc tout ça, ça nous quitte, donc si c'est le moment pour se le procurer. Alors ici, le lot Everyday Details, alors le lot à 10% va nous quitter. Par contre, le jeu des temples ainsi que les poinçons détails du quotidien vont revenir dans le prochain catalogue. Ici, Blueberry Bunches, alors ça va revenir ce jeu des temples-là. Je vous dis, il y a tellement de choses qui reviennent dans ce catalogue-là, c'est hallucinant. Le Cake Fancy va être de retour aussi. Ainsi que ça, en fait, le lot Flower Cart nous quitte, mais le jeu des tempes et les poinçons vont être de retour, donc on va pouvoir les acheter encore de façon séparée. Et étrangement, je vous le dis, c'est un lot que j'ai acheté. Je n'ai pas encore utilisé, mais ça faisait partie de mes plans, alors je suis vraiment contente qu'ils reviennent. Au niveau de la collection ici, plus léger que l'air. Alors, en fait, on a le papier va nous quitter. Par contre, ici, les pois autocollants arc-en-ciel sont vraiment beaux. Hein? C'est pas là, ils ont vraiment des belles couleurs. Alors, ça revient. Les ficelles ici, ça revient aussi. Et évidemment, en fait, le lot montgolfière à 10% nous quitte. Mais encore une fois, le jeu des tempes montgolfières ainsi que les poinçons vont être de retour, mais de façon séparée. Filled with Happiness. Alors, ça, ici, c'est un jeu qui va nous quitter. Ah, oh, le jeu d'estampes souvenirs mémorables, ça, je suis vraiment contente. Il revient, alors, parfait pour des pages de scrapbooking. Alors, un super retour. Alors, comme je vous disais tantôt, celui des Sunday nous quitte, mais celui tourbillon de crème glacée et le lot nous quitte, mais le jeu d'estampes ainsi que les poinçons vont être de retour dans le catalogue annuel de façon séparée. Alors là, ici, même chose que tantôt. On a les pochoirs qui reviennent, les poinçons, le jeu des temples. En fait, la seule chose qui nous quitte, c'est le lot.
OK, donc le numéro 4, c'est que ça comprenait vraiment le jeu de temple, les découpes ainsi que les pochoirs. Ça, on ne pourra plus l'acheter tout ensemble. Il va falloir les acheter de façon séparée. Mais, hein, quand même. Alors, ça, c'est une super collection, sans doute ma préférée. Alors, je suis super contente parce que le papier design revient et il est absolument, vraiment super beau. Ça fait 2 fois que je l'achète, pour vous dire. C'est sûr, j'ai fait des choses pas mal avec. Le lot tendre et charmant. En fait, ça, c'est une petite déception. C'est pas vrai. Le lot tendre et charmant. Non, je reprends, je me reprends. Ce qui nous quitte, les petits pastilles en liège, ça nous quitte, ainsi que le galon en faux cuir. Ce qui nous quitte vraiment, en fait, c'est celui-ci, c'est le lot Notes Naturelles. Lui, il nous quitte. C'est une déception pour moi parce que je l'aimais beaucoup. J'adorais, en fait, ces arrière-plans-là. Je suis vraiment déçue, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Tandis que le lot tendre et charmant, en fait, le lot à 10% disparaît, mais je suis quand même contente parce qu'il reste que ce jeu de temple-là, il est effectivement très, très beau, ainsi que les découpes. Et là, vraiment, là, regardez, là, tu sais, les découpes, là, ils découpent plus que simplement les fleurs puis l'étiquette. Donc, ça va être un retour de façon séparée. Ah, coucou Anne-Marie! Ah, je suis contente! Mais, oui, c'est ça, Hey, là, tantôt, là, ça a été vraiment long, là, mon live. Quand j'ai terminé, j'avais un petit mal de tête. J'avais pas mangé non plus. Fait que c'était le temps que j'arrête. Alors, le lot de cartes souvenirs et compagnie, ici, va être à 40 %. Donc, à 8,25 $, ça nous quitte. Ainsi que le lot des cartes enveloppes souvenirs et compagnie, vont être à 20 % à partir du 9 avril. On a ici le jeu Let's Chat. J'imagine que c'est comme ça qu'ils doivent le dire. Alors, celui du téléphone, il va être à 20 %, donc à 20,80 $. Alors, tout ça ici va être de retour. Donc, les jeux d'estampes en arrière-plan que vous voyez ici, Doggone Friendly, puis Botanical Beauty, on va les retrouver dans le prochain catalogue. Même chose ici pour les poinçons mini-alphabet. Je trouve que des fois, il faut vraiment regarder. Moi, là, à la première vue, ce poinçon-là, il m'avait complètement échappé. C'est à force de voir des choses, je fais ah, fait que c'est un super beau poinçon en fait pour faire des plus petites lettres. Même chose ici pour Planted Paradise, ça va revenir. Alors, celles qui aiment faire des cartes avec des plantes, alors ça va être de retour. Concernant la collection Joie Enfantine, alors le papier design va nous quitter. Par contre, les gemmes irisées métallisées vont être de retour. Et évidemment, encore une fois, le lot, les joies de l'enfance à 10 %, lui, sera plus disponible, mais on va être capable d'acheter le jeu de temps et les poinçons, les joies de l'enfance de façon séparée. Même chose ici pour Belles éclaircies. Alors, le lot à 10 % ne sera pas disponible dans le prochain catalogue, mais les deux, le jeu des tempes et les poinçons, seront disponibles, eux, séparément. Même chose, je vous le dis, j'ai l'impression de me répéter, le lot ici, Submarine Life, va nous quitter, mais on va être encore capable d'acheter la perforatrice et le jeu, dans le fond, de façon séparée. Même chose ici. Pour The Cutest Cows, donc le lot nous quitte, mais il va être encore disponible de façon séparée. Je vous le dis, j'ai vraiment l'impression que je me répète constamment. Ça ici, par contre, bon, là, on a vraiment plusieurs choses. En fait, tout ça va nous quitter. Donc, les étoiles, éclairs autocollants, ainsi que le papier design va nous quitter. Le jeu des tempes, excusez, Rockstar va être à 20 %, donc à 26,40 $. Et les poinçons, eux, vont être à 10 %, donc vont revenir à 36. Alors, ça, on est quand même content parce qu'on aime ça, je pense, d'avoir un kit. Puis, ce que j'aime de ce kit-là, en fait, vu que ce sont des outils, on a l'impression que ça fait plus masculin, mais on est capable vraiment de le rendre très féminin aussi. Alors, le lot va nous quitter, fidèles outils, mais évidemment, le jeu des tempes ainsi que les poinçons seront de retour. Ça, c'est un autre jeu, Cap and Gown. Alors, ça va être de retour. Donc, pour pour les finissants, c'est quand même un super jeu de temps. Même si c'est en anglais, on a quand même plusieurs éléments qu'on peut estamper.
Ça, je suis contente parce que je l'ai acheté et dans le but de faire entre autres des pages de scrapbooking. Donc, le lot Beach Day va nous quitter, mais on va être encore capable, en fait, de venir chercher le jeu des temples et les poinçons. Journée à la plage. Et regardez tous les poinçons que ça nous découpe, là. Vraiment beaucoup de choses à faire. Ici, le jeu Cliffs by the Ocean. Alors, 30% de rabais. Alors, on va revenir à 23,10. OK, là, ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Il y a des choses comme ça que je me pose des questions. Alors, l'assortiment, bon, pour la collection Expression poétique, le papier design nous quitte. Les pois irisés champagne pour faire autant des shakers, mais tu sais, je les ai aussi collés là, sur une carte, là, ça faisait super beau. Alors, ça revient. Et là, en fait, voilà. Alors, le jeu des tempes, Thoughtful Expressions, lui, il revient. Mais, étrangement, les poinçons expressions attentionnées ne semblent pas revenir. Et je suis vraiment étonnée parce qu'évidemment, ça découpait, dans le fond, tous les éléments qu'on voit ici. Mais il y a tellement de belles découpes pour faire des étiquettes dans ces poinçons-là. Alors, c'est une petite déception pour moi parce que j'ai vraiment aimé ces étiquettes-là. Bref, voilà. Petit côté éditorial ici. Ici, Quiet Reflection. Alors, ça revient. Alors, pour faire je vous dirais que c'est surtout ces deux jeux-là qu'on va utiliser parce que le reste, c'est tout en anglais. Ça aussi, je suis contente. Le lot rose pointillé nous quitte, mais encore une fois, on va être capable d'aller acheter soit le jeu de temps ou les poinçons de façon séparée. Mais si on veut les avoir à 10%, c'est maintenant. Ça, c'est drôle, je ne l'ai pas noté ici, mais le plioir à gaufrage 3D multitude de fleurs que j'ai utilisé une couple de fois quand même, il est vraiment très beau. Alors, il va être de retour. Celui-là aussi. Et là, j'ai vu des choses avec ça, puis je vous dirais que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il me tente. En tout cas, il va être de retour. Fait que je ne sais pas si je vais me laisser tenter éventuellement. Bon, ben là, non, je ne ferai pas le tour de tout ça. Je vous dirais que ça fait vraiment le tour, en fait, là, du mini-catalogue. Alors, comme vous pouvez remarquer, beaucoup plus rapide. En fait, pratiquement, je vous dirais qu'il y a vraiment plus de choses du mini-catalogue qui reviennent que de choses qui nous quittent. Alors, c'est la bonne nouvelle pour celles qui avaient quand même investi un peu dans le mini-catalogue, comme moi. Là, je dois lever la main un peu pour ça. Fait que je suis vraiment contente. Maintenant, encore une fois, je vous dirais de ne pas attendre nécessairement là, juste. Le 9 avril, s'il y a des choses que vous voulez vous procurer rapidement. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée, puis on se voit vendredi de toute façon avec un nouveau projet. Bye tout le monde!